On est en Laponie suédoise, un endroit mais naturel, préservé, sauvage, comme je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup. C'est un privilège d'être là, on a à notre disposition une nature qui est extraordinaire, avec des paysages fabuleux, avec une alternance de forêts, de rivières, de lacs qui sont tous plus beaux et plus belles les uns que les autres. Et c'est un vrai paradis pour le pêcheur, puisque on va pouvoir pêcher des carnassiers, des brochets, des perches, mais également des salmonidés, des ombres et même des truites. Tout d'abord, nous sommes hébergés dans un lodge tout confort, au bord d'un lac avec une vue imprenable, des bateaux à notre disposition. Il en sera de même sur tous les lacs que nous prospecterons tout le long du séjour. Et ce que j'aime particulièrement, ce que je trouve unique dans cette destination, c'est qu'on va avoir dans un rayon de 10 km autour du lodge des petites rivières rapides, des grandes rivières avec des gros débits, des petits lacs, des grands lacs, des roselières à prospecter incroyables. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on va pouvoir pêcher une petite rivière une journée, voire même le matin, et l'après-midi partir pêcher sur un lac en bateau. Et cette alternance de techniques et d'approches et de choix des poissons fait de ce séjour un séjour assez unique. Alors, ce qui m'a le plus plu dans cette semaine, je pense notamment à la diversité des techniques. La diversité des techniques que l'on peut aborder au cours de la semaine, parfois même sur une même journée. Toutes les espèces de poissons que l'on peut attraper. Le camp sur lequel on est accueilli, il y a un super accueil. Sans compter qu'ils nous mettent dans une ambiance très chaleureuse. On peut se retrouver au coin d'un feu le soir à discuter autour d'un super repas. C'est vraiment, vraiment génial. Si ce séjour de pêche vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, ce sera un plaisir pour moi de vous guider, de vous accompagner et de partager avec vous cette destination pêche extraordinaire.